Chers amis, bonjour. Nous continuons à lire les récits qui nous préparent pour Noël. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 1, et ma lecture va démarrer au, chapitre, au verset 26. Écoutez ce récit et méditez-le. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors :« N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera. » pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera fils de Dieu. Élisabeth. Ta parente attend elle-même un fils malgré son âge elle qu'on disait stérile en est maintenant à son sixième mois car rien n'est impossible à dieu alors marie dit je suis la servante du seigneur que tout se passe pour moi selon ta parole et l'ange la quitta ce récit me touche énormément parce qu'on y voit la disponibilité de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole, que tout se passe comme tu le dis. On y voit aussi l'humilité de Marie. Je suis la servante du Seigneur. Voilà quelqu'un de disponible, prête à accepter l'impossible. Elle sait très bien qu'il n'est pas possible pour elle d'avoir un enfant. Elle sait très bien que ce que l'ange lui dit dépasse dépasse l'entendement. Tu auras un fils, il sera grand, son règne n'aura pas de fin. Cela dépasse complètement son entendement. Elle n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui dit, elle n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais elle sait une chose, c'est qu'elle peut faire confiance à la parole du Seigneur. Dans ce texte, eh bien, nous sommes interpellés et nous sommes encouragés à faire confiance. En la parole du Seigneur. Et si il nous semble impossible de pouvoir être témoin sur cette terre, sur cette terre, où tellement de choses vont si mal, témoin de la puissance de Dieu, témoin de la présence de Dieu, témoin de l'amour de Dieu, alors comme Marie, si peut-être que nous nous demandons aussi comment cela est possible, alors entendons comme Marie la réponse de Dieu, la réponse que Jésus a donnée à ses disciples vous recevrez une puissance comme pour Marie. Et cette puissance, le Saint-Esprit, vous transformera et fera de vous mes témoins. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. La même chose est dite ici, par l'ange à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Dieu très haut te couvrira comme du nombre. Et c'est cela, cela la parole de l'ange sera possible. Comptons, comptons sur la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Restons disponibles au Dieu Tout-Puissant pour qu'il fasse de nous, pour qu'il fasse dans notre vie ce qu'il a promis.